à SIDAC, réuni matin, pour faire le point sur deux sujets qui sont importants pour nous dans la bataille contre le VIH-SIDA. D'entrée de jeu, je dis que ce n'est pas la première fois que le ministère a réuni avec le partenaire, c'est peut-être la première fois que la presse a assisté, que le ministère avec le partenaire réuni ensemble. Depuis après la dernière réunion qui était faite à Washington sur SIDA, sur le financement programme VIH et SIDA, le nous retournait, le ministère a des engagements pour régulièrement les rencontrer avec les partenaires pour bailler le là un petit pouce. Pourquoi ça nous dit un petit pouce? Parce que performance nous, performance pays dans lutter contre la maladie, n'est pas trop satisfaisant et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Et nous remarquons que une raison, c'est justement les gens qui sont infectés avec VIH. Et les gens qui sont malades déjà, qui ont un patinage, qui n'est pas régulier dans la vie de prendre traitement. Alors que son traitement qui coûte très cher dans certains pays, partenaires internationaux, ministères avec partenaires nationaux, font en sorte que les médicaments sont disponibles sous le programme et ils payent de façon gratis à tout le monde qui a besoin. Mais sauf que, gagner une série de monde qui pour une raison pour l'autre, même si on a commencé, ils n'ont pas continué à aller prendre des médicaments. Et ça représente un grave souci pour nous, ça représente un grave danger. Premièrement, si nous disons que d'ici 2030, il faut que nous mettions fin à la maladie, mettre fin à la maladie, on veut dire casser la chaîne de transmission. Et pour casser la chaîne de transmission, il faut que les gens qui portent le virus là dans le cerveau n'ont pas en capacité de transmettre le virus là. Et pour yo pas la capacité de transmettre le virus, il faut que yo prenne médicament yo et gagne des médicaments qui sont très efficaces actuellement qui permettent que un monde qui prend médicament régulièrement non seulement gagne pile complications que pas gagner mais il pas transmettre maladie à tout parce que charge virale là a vienne indétectable là c'est que là tellement baissé bas que yo ne va pas même garder le virus en bonne santé dans laboratoire et c'est on seule molécule, ça veut dire que son un médicament combiné, c'est-à-dire tout médicament qui vous traite ou bien qui vous prend en charge maladie en lit en dans grain, il suffit que vous n'en preniez un seul grain et les censé prendre traitement. Ce qui est différent de gens avant. Mais bon, l'autre problème qui vient poser tout, c'est que comme le plus souvent on a fait avec des monde qui pas semblé qui malade, qui pas gain rien qui a fait au mal. C'est l'heure où vous faites test pour vous jouer le monde positif et vous mettez le monde sur le traitement. Donc, le monde a une petite tendance par une trop croire que le besoin de traitement sous base régulière et continue que nous-mêmes, les scientifiques, nous faisons comprendre ou bien nous dire que le besoin. Mais en réalité, c'est ça. Parce que plus vous prenez un médicament régulièrement, c'est moins vous êtes malade, c'est plus vous êtes performant dans l'activité quotidienne et c'est moins tout pour avoir capacité pour transmettre mes maladies. Et si son figoïe, ou pas pour transmettre petit ou maladie, parce que nous connaissons, on partit de transmission maladie qui fait de maman à petite, c'est-à-dire de femme enceinte à petit bébé qu'elle a fait. Donc, ça veut dire que nous, notre stratégie que nous mettons en place ensemble avec les partenaires, nous décidons de réunir après aujourd'hui pour nous capables de demander, appuyer, accompagner, de sensibiliser la population. Parce que si l'État, avec le ministère de la Santé publique, si les partenaires nationaux et internationaux, ils prennent la responsabilité, ils jouent partition par eux, malades, en tout cas, la population fait n'absorber bientôt, ils doivent prendre la responsabilité par eux. Et responsabilité par la population, j'en ai toujours un petit. Premier docteur tête, c'est vous-même. C'est-à-dire que si le monde lui-même, qui connaît que le bon besoin, qui connaît que les bons médicaments pour les prendre, que vous mettez à disposition gratis, il n'est pas venu prendre. Donc, quel que soit ça nous fait, ça nous est dans l'engagement, nous l'avons bien sué à tête. Gagnons l'autre avantage que nous dit que le monde a gagné encore, c'est que si le monde ne veut le déplacer, par exemple, s'il tape suivre non clinique ou bien non sang, dans Port-au-Prince ou dans la métropolitaine,
et que le bien pour le déplacer, ce n'est pas un problème côté le privé à l'Union doit rapporter non ou l'autre centre qui offre le même service là, et là capable toujours joindre le médicament. Parce que il y a des gens qui vont dire que c'est parce qu'ils ont bougé, c'est parce que moi ça a pas de Port-au-Prince ou bien pour une raison quelconque, ils pas dans Port-au-Prince ou dans la province qui fait pas prendre médicaments, etc. Donc tout le bagage ça au programme là, avec tout le partenaire, mettez à disposition maladie, médicaments, tout côté qui vient off-service. Nous connaissons qu'il y a des zones qui sont difficiles pour nous aller régulièrement. Mais zones ça au côté de nous n'a pas aller régulièrement. Les recevoir, les gens qui sont venus, et les gens qui sont habitués à vivre dans le centre, qui ne sont pas venus pour une raison ou pour une autre, ils doivent aller dans l'autre centre, là, je vais le même service là, parce que le programme dans son programme national, quel que soit à côté, ou à l'Albanie, quel que soit le partenaire qui a payé ce service-là, ils ont tout inscrit dans la logique d'un programme national. Donc, le message, c'est que ça, c'est que les médicaments sont disponibles, ils sont gratis, au bon nombre de temps pour faire ou prendre un médicament, j'aime dire pour me dire qui est censé tout autant que vous vivez avec le virus là dans ou avec maladie. Hein. Ce n'est pas comme si vous avez ou fait traitement pour un mois, ou fait traitement pour deux mois, et puis le problème résout. Et même le, ou t'aoué que vous avez l'impression en bonne santé, ça veut dire que vous n'avez pas de cas formal, ou pas de infection qui vient lever sur vous, ou bien, ou pas senti aucun problème. C'est justement ça, c'est le but traitement. C'est permettre que vous arrivez à vivre en vie, d'agabdi normal, même gens avec un monde qui n'est pas malade. C'est pour ça, justement, maintenant, c'est pour ne pas sentir qu'on gagne. Donc, l'on ne pas sentir qu'on gagne, ce n'est pas un effet, qu'on ne soit pas besoin de traitement encore. Au contraire, son signe, il vous encourage à continuer le traitement. Et c'est à pour à lutter contre la maladie et qui pour empêcher que vous venez malade. Parce que si vous ne prenez pas un médicament, donc vous venez vraiment malade cette fois-ci. Et c'est peut-être ça que. Ou même pour bataille, même pour tel tour, et c'est sûrement ça que nous parlons pour.